Bonjour chers téléspectateurs d'Algérie Première. Aujourd'hui nous sommes au cœur de l'Europe. Après ce massacre qui a eu lieu ce matin, presque 20 morts pour une flotte qui se présentait vers Gaza pour donner des tentes, des vivres et des médicaments. Est-ce que la réaction israélienne a été modérée ou alors c'est un message de dire nous sommes libres, nous pouvons agir comme nous voulons, c'est-à-dire à 140 km des côtes israéliennes de Gaza, elles ont attaqué une flotte sans défense et ça a fait 20 morts. Parmi les morts, bien sûr, des Européens. Est-ce que l'Europe va réagir? Est-ce que l'Europe va parler? En tous les cas, aujourd'hui, Algérie Première s'engage à interviewer, à donner la parole à toutes les personnes qui voudraient participer ou réveiller un petit peu cette conscience qui laisse mourir Gaza. À très bientôt et j'espère beaucoup de soutien pour nos amis Gaza. Un mot encore, merci au gouvernement turc d'avoir réagi en premier par rapport à ces exactions qu'on peut appeler de l'armée israélienne. Algérie Première ne fait pas de politique. Algérie Première est là pour rassembler. Mais cette fois-ci, quand on dit que la goutte a fait déborder le vase, il est temps de réagir.